Ne vous laissez pas distraire par les critiques. N'oubliez pas que le seul désir de certaines personnes est de s'en prendre à vous. Le principe de base pour atteindre un objectif est de comprendre que vous allez aussi loin que vous pouvez le voir et que lorsque vous y arriverez, vous pourrez toujours voir plus loin. La pensée positive vous permettra d'utiliser les capacités, la formation et l'expérience dont vous disposez. C'est le caractère qui nous a fait sortir du lit, l'engagement qui nous a poussé à passer à l'action et la discipline qui nous a permis de continuer. Le succès, c'est faire de son mieux avec ce que nous avons. Le problème est le manque d'objectifs, pas le manque de temps. Nous avons tous des journées de 24 heures. Plus vous vous plaignez de vos problèmes, plus vous serez enclin à vous plaindre. Votre intégrité est l'outil de persuasion le plus important dont vous disposez. Si vous ne vous considérez pas comme un gagnant, vous ne pouvez pas jouer en tant que gagnant. Hier s'est terminé hier soir. Aujourd'hui est un nouveau jour, et c'est le vôtre. Le moyen le plus rapide de réussir consiste à remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. La pensée positive ne vous permettra pas de tout faire, mais elle vous permettra de faire quelque chose de mieux qu'avec une pensée négative. Si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez probablement ailleurs. Plus vous aidez les gens à obtenir ce qu'ils désirent, et plus vous avez de succès. Vous êtes ce que vous êtes, et où vous êtes, à cause de ce qui est entré dans votre esprit. Vous pouvez changer ce que vous êtes et où vous êtes en modifiant ce qui se passe dans votre esprit. Votre vision de l'avenir est beaucoup plus importante que ce qui s'est passé dans votre passé. La pire décision de toutes est celle que l'on n'a pas prise. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine ce que vous ferez dans la vie, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. La vie est un écho, ce que tu lui envoies te revient, ce que tu sèmes, tu le récoltes, ce que tu donnes, tu l'obtiens, et ce que tu vois dans les autres existe en toi. Vous êtes né pour gagner, mais pour être gagnant, vous devez planifier votre victoire. Vous préparez à gagner et vous attendre à gagner. Si vous attendez que toutes les lumières soient vertes pour passer à l'action, vous n'atteindrez jamais votre objectif. Il n'y a pas d'ascenseur pour réussir. Vous devez prendre les escaliers. Le vrai bonheur survient lorsque vous inspirez, encourager et guider quelqu'un d'autre sur un chemin qui lui profite. Ne comptez pas ce que vous faites, faites ce qui compte. Si vous souhaitez atteindre un objectif, vous devez voir l'objectif dans votre esprit avant d'atteindre réellement votre objectif. Lorsque des obstacles se présentent, changez de direction pour atteindre votre objectif. Ne changez pas votre décision d'y arriver. La confiance est le sous-produit de l'intégrité. Terminez la journée avec gratitude. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a moins que vous. Lorsque vous choisissez d'être agréable et positif dans votre façon de traiter les autres, vous choisissez, dans la plupart des cas, comment les autres vont vous traiter. Si vous apprenez de l'échec, alors vous n'avez pas vraiment perdu.
l'argent ne vous rendra pas heureux. Mais tout le monde veut le découvrir par lui-même. Ce que vous faites aujourd'hui peut changer votre avenir. L'échec est un détour, pas une impasse. La seule chose pire que de former un employé et de le laisser partir, est de ne pas le former et qu'il reste. Ne laissez pas les erreurs et les déceptions du passé contrôler et diriger votre avenir. La chose la plus précieuse que vous pouvez faire est une erreur. Vous ne pouvez rien apprendre en étant parfait. Un objectif correctement défini est à moitié atteint. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Vous êtes la seule personne sur Terre qui peut utiliser vos capacités. C'est une responsabilité incroyable.